Salut les Taravanotes, il y a un petit moment qu'on ne s'est pas vu et aujourd'hui le beau temps est revenu en Bretagne et donc je vous propose de faire une petite balade du côté de la rivière d'Etel et puis d'aller à la base de l'Orient où les bateaux de course se mettent à l'eau les uns derrière les autres. Tout un programme qui va mélanger road trip en moto et un petit peu de navigation vu des pontons. Faut pas rêver non plus, hein. Allez, plus. Sur les bords de la rivière d'Etel, c'est un endroit absolument magique. Intéressant. C'est une opération délicate. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent, heureusement, mais on voit bien que pas si simple. Il faut monter le bateau assez haut pour que la quille puisse passer le ber sans tout arracher. Skipper japonais qui est en avant du Zodiac surveille avec attention mais une certaine sérénité finalement la mise à l'eau de son magnifique bateau. Les couleurs nous rappellent en fait un orque.
les derniers centimètres avant que la carène touche la surface de l'eau. Et la prochaine opération délicate va être de remater ce magnifique voilier. Le clapotis des vagues qui viennent caresser la carène. Bon ben voilà, il me semble que l'opération est terminée. DMG Mori a retrouvé son élément. Dans cette partie du bassin, en fait, se déroule un test de capacité de retournement. Un petit peu spectaculaire, on va dire. Donc là, ils sont en train, effectivement, de voir si ce bateau est dans les normes. Quant aux capacités de retournement. Les certificateurs sont à l'extrémité du mât et mesurent par des outils de mesure très précis comment dirais-je, le couple de redressement de ce voilier. Bon, vaut mieux pas être dans cette posture hein, quand on est en pleine mer. Ça c'est sûr. Bon, mais il vaut mieux, si jamais ça se produit, savoir que le bateau est en capacité de se redresser. Et là-bas, c'est Banque Populaire qui rentre probablement de quelques essais en mer. Bon, les affaires ont repris chez notre ami japonais et le mât est en train d'être posé. C'est une opération délicate, mais les spécialistes se maîtrisent parfaitement bien.